Bonjour tout le monde! Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube by Yasmina Gourmet. J'espère que vous allez à merveille. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec toi. Je m'appelle Yasmina et aujourd'hui on continue avec une autre recette pour Halloween pour cet octobre 2020. Une recette santé absolument délicieuse, rapide à préparer et très facile avec plein de surprises abracadabrantes. Puisque le symbole d'Halloween est une courge, dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va en mettre une bien belle dans notre marmite et on va la faire mijoter avec un mélange d'épices et d'ingrédients très aromatiques qui va faire qu'on va avoir une soupe ultra savoureuse, crois-moi. Et qui parle de marmite, parle de sorcière et je vais te montrer comment réaliser une splendide sorcière avec des ingrédients naturels, santé et comestibles. Et pour le côté macabre, Halloween oblige, on a au menu des yeux ensanglantés, de faux yeux délicieux. Tu verras, c'est vraiment facile à préparer, rien de bien compliqué. Je te garantis un grand triomphe parce que la présentation est non seulement bluffante, mais aussi savoureuse à souhait. Ta famille et tes amis vont se divertir et se régaler. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo d'Halloween avec les 4 recettes de snacks salés, rapides, faciles et effrayants, avec des doigts coupés, des balais de sorcières, des momies, et des têtes de Frankenstein, clique ici pour voir la vidéo. Et si tu veux voir la recette pour Halloween du spectaculaire gâteau aux deux ganaches et à la crème au fromage absolument fabuleuse, remplie de débris de verre et de sang, clique ici pour la visionner. Alors sans plus tarder, reste pour voir la vidéo jusqu'à la fin car on démarre de suite et c'est par ici. Thank you.
Alors, je dois vous dire qu'il y a une odeur qui embaume de façon absolument envoûtante toute la maison grâce à la combinaison de tous les ingrédients dans notre soupe de courge. Absolument délicieuse, exquise à souhait, elle est parfaite. Et je vais goûter aussi nos yeux ensanglantés. Délicieux. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons mis nos graines de courge dans le four avec la patate. Les graines de courge sont une véritable mine en nutriments, riches en vitamines A, B1, B2, B9, C, en sels minéraux aussi, tels que le fer, le calcium, le potassium, en oméga 9, et aussi en protéines et en fibres alimentaires. Et je dois vous dire que ma patate, ma tête de sorcière, est tombée par terre, elle a complètement explosé. Et donc, je ne peux pas vous la présenter, mais vous l'avez pendant tout le déroulement de la vidéo, comment la préparer et déguster-la parce qu'elle est vraiment délicieuse avec sa petite touche de romarin. Alors, je te suggère de t'amuser en préparant cette succulente soupe de courge avec ses yeux macabres. Et si tu le veux bien, publie la photo de ton résultat sur Instagram en m'étiquetant by.yasminagourmette. Je me ferai un plaisir d'aller voir ta préparation et de la commenter. Je te laisse le lien dans la boîte de description et tu verras aussi dans mon Instagram les photos et les trailers des recettes avant qu'on les publie sur ma chaîne YouTube. En plus, dans les IGTV et les stories à la une, tu auras de nombreux conseils et beaucoup d'informations concernant les ingrédients en relation avec notre organisme et plus encore. Pensez aussi à me faire un retour dans les commentaires et si vous avez un quelconque doute, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je te rappelle qu'en dessous de la vidéo, tu trouveras la liste des ingrédients écrite en français, en espagnol et en anglais. Et comme tu as remarqué, la vidéo est elle-même sous-titrée dans ces trois langues afin que tu puisses partager avec ta famille et tes amis. Ils vont certainement apprécier et pour moi, cela m'aidera énormément dans mon projet. Si tu as aimé la vidéo, like-la, c'est un grand soutien pour ma chaîne. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi. Je serai très heureuse de compter sur ta présence. Et active les notifications en cliquant sur la cloche afin d'être avisé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, de votre soutien, de votre présence. Pour ma part, cela a été un vrai bonheur d'être ici avec vous. On se revoit très vite pour une nouvelle recette tout aussi savoureuse. Prenez soin de vous, soyez heureux. Ciao, je vous aime. Il y a le symbole de la mijoter. Rien de peu. Allez, de so combinaison de tous ces ingrédients. graines de courge sont un véritable...